sais, t'as un petit point rouge quand ça part et puis quand ça s'arrête. Bon. Eh, on apprend à se tenir correctement. Bouge pas trop vite que tu filmes. Il en a pas moins que les autres, mais il en a dans une autre gamme. Tu t'entends. Tellement tu perds ton enfant. J'appuie dessus pour éteindre. Pour éteindre, ouais. Reste là, Ouchka. Thank you.
On me lèche la gourmette. Ça doit être bizarre, la gourmette. Salut. C'est bizarre. Salut. Qui c'est qui a mangé depuis tout à l'heure? C'est des vidéos, là. Elle sera bien, non? Salut. Oh, c'est ma sucette. Ah, j'ai vu sur une crotte. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. La grève des agents de la Poste au Havre massivement suivie. Cet après-midi, ils étaient reçus par la direction, réunion à l'issue de laquelle ils ont décidé de reconduire le mouvement pour demain. En cause d'une réorganisation du service courrier qui menace leur route se poursuit. La maire Virginie Carollo a écrit à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, pour protester contre cette décision. Alors même que les effectifs ont augmenté dans cette école, elle menace désormais de saisir le tribunal administratif. Le président de la Basse-Normandie, Laurent Mauvais, a été élu aujourd'hui président du conseil d'administration du Havre national du Pin dans l'Orne. L'établissement désormais public depuis cet été est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et avec parmi ses objectifs la préservation et la valorisation du patrimoine, l'appui à la filière équine et la promotion des métiers du cheval ou encore le développement de l'offre touristique. Un nouveau maire dans la commune de Torcy-le-Petit, un village de 500 habitants à une vingtaine de kilomètres au sud de Dieppe, c'est Éric Béranger, ancien premier adjoint qui a été choisi par le conseil municipal. Il remplace Jean-Pierre Pommier, premier magistrat depuis 32 ans et qui a démissionné cet été en raison de son âge. Un incendie cet après-midi à Cabourg. Les flammes se sont déclarées dans les combles d'une grande maison en centre-ville. Au moins 3 personnes ont été évacuées, parmi elles une dame âgée qui a été intoxiquée par les fumées et hospitalisée par précaution. Les causes du sinistre sont pour l'heure inconnues. La disparition hier de 2 plongeurs au Havre, c'est la personne qui était restée à bord de l'embarcation qui a donné l'alerte. D'importants moyens de recherche ont été déployés. 2 hélicoptères et 2 vedettes de la SNSCM. Fort heureusement, les plongeurs ont pu regagner de même la plage de la cité océane. Ils ont été héliportés vers l'hôpital Moineau pour des examens. Également au cœur de l'actualité, le scandale chez Volkswagen. Le constructeur automobile a lui-même révélé 11 millions de véhicules diesel du groupe dans le monde seraient équipés du logiciel de tricherie pour dissimuler le niveau réel des émissions de gaz polluants. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, doit très vite se prononcer sur l'ouverture d'une enquête au niveau français. Michel Sapin, lui, a parlé